Il y en a qui optent pour des constructions qui consomment peu de ciment. C'est le cas dans les régions du sud-ouest et des hauts bassins. Ils sont de plus en plus nombreux à construire leurs maisons avec les pierres de taille communément appelées briques de carrière. Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer ce choix. Il y a d'abord l'argument économique, mais aussi celui du confort thermique. Cependant, ce type de construction est-il vraiment avantageux? Et comment se procurer le matériau? Quelques éléments de réponse avec Drissa Traoré et Mireille Carole Touma. Aussi beau que solide, ainsi pourrait-on qualifier ce bâtiment, entièrement bâti en pierre de taille ou briques de carrière. Nous avons réalisé ce bâtiment dans le but de montrer aux Burkinabés qu'avec la pierre locale que nous avons, nous pouvons faire mieux que le ciment. Et je vous assure que d'ici 5 ans, si vous revenez, il n'y aura pas de fissure dans ce bâtiment. La pierre de taille, un matériau de construction, qui est dans le grand ouest du Burkina. La ville de Houndé en est un exemple. Les constructions en pierre de taille dominent dans la ville. Ces pierres, on les retrouve ici, dans cette carrière, aux encablures de la ville de Houndé. Que de risques pour Oumarou Zan pour en trouver de bien solides. Par exemple, ça là, c'est mélangé avec caillou. Il doit faire comme ça. Ça peut s'enlever. C'est parce qu'il n'y a pas de pierre, tu vois. Ça, c'est pas solide. Mélangé avec caillou. Mais une brique est solide. Par exemple, ça là, même si tu tapes comme ça, ça casse pas. Voilà, ça même, c'est en forme aussi. Puis c'est gros, mais la forme est arrivée, puis c'est en forme. Même si tu tombes ça, tu vas reprendre ça. Au-delà de sa solidité, les maisons en pierre de taille posséderaient un meilleur confort thermique comparativement à celles en ciment. Les maisons en ciment, à mon avis, il fait chaud dedans. Hein. Fait chaud dedans, on ne peut même pas dormir dedans. Si tu n'as pas un climatiseur ou soit un ventilateur, tu ne peux pas dormir dedans. Et tandis que les maisons en pierre taillée, en toi, il y a la fraîcheur dedans. Quand nous prenons des briques en ciment, fait à partir du ciment et du sable. Voilà, en termes de résistance, c'est bien. En termes de tenue à l'eau, c'est bien. C'est au niveau d'isolation thermique. Parce que ces briques-là conduisent beaucoup la chaleur. Un des avantages des pierres de taille, c'est que c'est des pierres qui ont une bonne isolation thermique, qui sont des isolants thermiques. C'est pourquoi, vous voyez, dans les églises, par exemple, il n'y a pas de climatiseur. Pourtant, il fait bon, il fait frais dedans. L'autre avantage de ces briques-là, quand vous construisez ces briques, vous n'avez pas besoin forcément de faire des enduits. Les pierres de taille qui sont extraites dans les carrières, dans les cuirasses, comme souvent à Fusana, à Houndé ou à Kawa, elles ont montré leur preuve. On trouve dans la cité de Sia des bâtisses en pierre de taille qui datent de plus d'une cinquantaine d'années et qui tiennent debout, dures comme du roc. Construire sa maison en briques de ciment ou en briques de carrière, à chacun son choix.